Hello mes poupies, on se retrouve pour la suite donc de l'album donc du mini-album sans structure donc pour la DT Scrap Influence et donc on est arrivé à l'étape de l'habillage donc de la structure et pour cela nous allons utiliser la collection Charming de chez Scrap Mir et donc on va utiliser la collection en 20-20 parce que j'ai vérifié au niveau des dimensions et le 20-20 ira tout particulièrement avec cette structure. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer quel est le papier que nous allons mettre en couverture, tout en sachant que j'ai l'intention d'utiliser fleurs, badge et die cut pour habiller la couverture. Donc, il faut évidemment tenir ça en compte. Alors, je les aime toutes. Ça va être compliqué. Donc, ces deux-là, si possible, on les utilisera en dehors. Je pense que je vais utiliser celle-ci pour la couverture. Voilà. Alors, chose à ne surtout pas oublier lorsque on veut travailler sur la couverture, c'est tout d'abord de placer son système de fermeture. Donc pour la fermeture, je vais utiliser la dentelle que Valérie m'a envoyée dans mon colis. Donc je ne vais pas faire tout le tour. Donc je vais utiliser un morceau comme ceci, voir. Donc toujours bien vérifier qu'on est dans le bon sens, donc effectivement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est mettre peut-être quand même centrer tout ça. Voilà, on va faire des choses bien quand même. Voilà, on va rajouter un petit peu de colle. Alors, je vais mettre le bout de dentelle comme ça. Je vais voir quel morceau serait. Je pense que là, c'est bon. Et je vais reprendre le même morceau pour le mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà mettre mon double face. Comme ça, ce sera déjà une partie de fait. J'en mets tout au-dessus de la dentelle, comme ça. On est certain que ça tient bien en place. Et voilà. Alors, on va maintenant, je vais utiliser la même technique. Donc là, je vais dire, il est à l'endroit. Donc, pour vérifier
Je ne sais pas s'il y a... Oui, il y a des inscriptions, donc je vais vérifier pour ne pas les mettre à l'envers. Donc, voilà. Là, c'est bon. Donc, je vais utiliser cette partie-ci. Et donc, pour mesurer, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour le cardstock. Donc, voilà. Et voilà. Alors, mon papier, je vais le mettre là. Alors, comme c'est sur du rouge, c'est pas évident à retrouver. J'ai retrouvé la première marque. Donc, on va encore ici se faire une réserve de chute. Alors, on vérifie que c'est bon avant de coller tout ça, parce que si c'est pas le cas, il faudra changer de papier. J'ai envie de dire, ça m'a l'air d'être correct. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer le double face. Donc pour l'instant, pour la couverture, on va juste mettre le papier. On s'attardera à la décoration de la couverture plus tard. D'accord? Donc là, on s'occupe d'habiller la structure, en tout cas pour le moment, pour, on va dire, la finalisation de la couverture. On verra ça un tout petit peu plus tard. Alors, par contre, ce que je vais faire, voilà, c'est remonter un peu ça. Alors, on va essayer de ne pas se louper, hein. Donc, voilà. Je pense que pour une couverture, je pense que le choix n'est pas trop mauvais. Alors, on va faire pareil derrière pour être sûr de ne pas se louper. Donc, on va prendre... j'ai pas fait de bêtises, moi. Non. Nous avons frôlé la catastrophe. Alors voilà. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on va sécuriser ça.
comme ça on est certain que ça ne bouge pas. Alors par contre, ce que je vais faire, je vais d'abord découper mon papier et ensuite je mettrai le double face sur le papier. Donc pour la page du fond, donc tout en sachant que j'ai mis la rouge là-bas, et si je mettais, ouais, je vais mettre celle-ci. Donc, vérifions le sens. Voilà, donc on va mettre comme ceci. Voilà, alors ici et ici. Voilà. Alors, je vais mettre le double face sur le papier. Ça évitera de se louper. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ça. Alors, on va retirer on va positionner et voilà. Donc on a déjà notre système de fermeture qui est prêt. Voilà, donc ça on viendra gommer par la suite et on verra éventuellement si on le décore avec des chutes de papier ou pas. Ça on le verra, d'accord? Donc on va maintenant décorer la page numéro 1. Donc, on va commencer peut-être par l'intérieur. Alors, je pense qu'on va prendre une page ben, peut-être plus colorée. Oui, je vais prendre une page colorée. Je vais prendre celle-ci. Et je vais utiliser le même système. Voilà, pour pouvoir prendre les mesures. Alors, dans quel sens ? J'ai envie de dire, peu importe, je vais la mettre comme ceci.
si éventuellement on n'avait pas assez de papier, chose qui peut arriver, eh bien nous irons chercher dans les feuilles 30-30 sans aucun problème. Mais comme j'avais reçu donc un 20-20 de la part de Valérie, je me suis dit pourquoi pas tenter le mini avec tout simplement avec avec le 20-20, voilà. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce que parfois on achète des blocs 20-20 et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on est plus habitué à travailler avec du 30-30. Et donc je me suis dit, voilà, c'est également une idée peut-être pour les personnes qui ne savent pas trop quoi faire dans leur album 20-20. Alors. Alors, voilà pour l'intérieur. Donc maintenant, on va peut-être... J'ai quand même envie, mais je ne sais pas si j'aurai assez. Non. Bon, on va bien voir. Je vais d'abord travailler les grands morceaux. Donc, à mon avis, je vais devoir aller chercher, je pense, le 30-30 par la suite, parce que je pense que je n'aurai pas assez. C'est pas grave du tout, hein. Donc, ah oui, on a dit que on allait prendre en compte. Ouais, donc j'ai pas trop envie de saccager ça, quoique ça va pas être saccagé. Voilà, alors on arrive là. Voilà, ici on arrive. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, on va passer la perforatrice au niveau du papier décor, puisque on a trouvé une petite astuce qui va nous permettre donc de... Oh, il y a un souci là. Ah oui, c'est là. J'ai mal coupé. Heureusement, j'ai coupé trop large. Il vaut mieux trop large que trop court. Voilà. Donc, on a trouvé une astuce pour la perforatrice. Donc, on va se positionner au même endroit que le cardstock. Et on va voir ce que ça donne, voir s'il faut éventuellement recouper peut-être à l'arrière ou pas. On va voir. Donc l'idée principale est de partir donc sur la décoration bordure ici aussi. Et voir sur la suite de la page ce que ça donne. Alors, donc, on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait au même, et ça c'est bizarre, on n'est pas tout à fait au même dessin, mais je me demande si c'est parce que, ah oui, voilà, j'ai compris, en fait quand j'ai perforé de l'autre sens. Et donc, forcément, c'est à l'envers. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le papier dans ce sens-là pour être raccord.
La seule chose, c'est que j'ai pas envie de couvrir complètement. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser quelques millimètres et je vais recouper mon papier ici derrière. Voilà. Donc, est-ce que je dois recouper de beaucoup? Je ne pense pas. Oh non, même pas. Non, je ne dois même pas recouper. C'est parfait. Ça demande un peu plus de vérification et d'attention. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, c'est tout simple. Comme mon cardstock, je l'ai mis d'une certaine manière, il faut qu'en fait, je perfore mon papier à l'envers. Vous comprenez ce que je vous baragouine? Parce qu'il faut que je perfore en fait mon papier dans le même sens que mon cardstock pour que ce soit pour que ce soit coordonné tout simplement. J'espère que c'est pas chinois ce que je vous raconte. Donc quand on a des côtes bordures, c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'attention et un petit peu plus de temps pour décorer ces papiers. Donc je pense qu'au niveau de la décoration, je ne vais pas vous montrer la totalité du processus. Je pense que je vais vous montrer quelques pages et qu'ensuite je vous montrerai le résultat final. Voilà. Parce qu'à partir du moment où je vous montre quelques pages, les autres pages, ce sera sensiblement la même chose, hein. Donc, je ne devrais pas spécialement vous montrer la totalité. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre là au-dessus? Oh, je vais partir là-dessus. Ça me plaît bien. Donc, pour là au-dessus. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, donc si je veux ce papier-là, il faut que je le mette dans l'autre sens pour pouvoir ensuite le perforer et avoir le même résultat que mon cardstock. Donc, je vais directement prendre les mesures à l'envers. Voilà. Et donc, je vais faire comme ça. Et logiquement, ça devrait coller. Alors, je vais perforer à l'envers. Et normalement, ça devrait mettre tomber pile poil. Attention, vérification de la théorie. Ah, magnifique. C'est parfait. Donc, il faut perforer son papier à l'envers. Tout simplement. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais décorer la page 1, la page 2, et on se retrouvera pour la page 3 et la page 4, ainsi que la page centrale, puisque la page 3 et 4, là, on aura la position d'une pochette. Et d'une belly band pour la page numéro 4. Et pour la page centrale, là, on aura la pose donc d'aimant. Donc, je vais terminer la pose de ce papier avec vous. Ensuite, on se retrouvera pour la pose des pochettes, de la belly band et des aimants.
parce que j'ai envie de vous dire, là maintenant, c'est le même processus, hein, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé sur le papier. J'essaie de vous le montrer. Voilà, j'ai laissé 1 voire 2 mm au niveau du cardstock pour qu'on puisse le voir encore un petit peu. Voilà, donc pour le moment ça se présente comme ceci. Je vais terminer la déco de ces pages là et on se retrouve pour la suite des pages. Donc n'oubliez pas, comme à chaque fois, de consulter la barre d'information. Vous y trouverez tous les liens vers la collection dont je vous parle et les différents éléments que je vais utiliser pour réaliser ce mini-album, d'accord? Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour la suite de ce mini-album d'été Scrap Influence. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !